c'est de retour. J'ai assisté à quelque chose. Je pense vraiment qu'il faut. Mais dis-toi une chose, retiens bien cette place. Calix, Calix, c'est une façon, t'as jamais fait confiance à personne. Fait... Si, quand même. Vous pensez vraiment que Roger Newman a pu subventionner la campagne d'Adam Rosenberg? Vous imaginez ce que ça veut dire? De toute façon, on sait tout ça. Roger Newman a subventionné la campagne d'Adam Rosenberg. Et ça, tout le monde le sait. On sait même de toute façon que Roger Newman, qui était à la tête de la tour médiatique CDF-7, il a démissionné. Il a donné le flambeau à quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, on sait que c'est Lisa Newman. Qui a repris la direction de tout ce qui concerne le côté médiatique de la ville. Il a de l'argent, il est riche, il est très riche, il est millionnaire même. Par contre, c'est vrai que comme vous le dites, pourquoi il a démissionné de la tour médiatique de CDF-7? Si Roger Newman a donné tout son argent concernant pour sa campagne électorale à Adam Rosenberg, c'est qu'il a un projet. Il y a quelque chose derrière la tête, Roger Newman. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Vous pensez vraiment que Roger Newman a subventionné la campagne d'Adam Rosenberg pour l'année prochaine, pour les élections électorales? Qui se trafique un truc entre Roger Newman et Adam Rosenberg. Par contre, on ne sait pas pourquoi qu'il n'a pas donné justement les rênes à sa fille, Emily. C'est vrai que sa fille, Emily Newman, elle sort des études de journaliste. Elle n'est pas encore assez compétente pour prendre la direction de son père. Effectivement, Emily Newman, elle manque d'expérience, tout ce qui concerne sur le terrain. C'est vrai qu'elle enchaîne les maladresses. C'est vrai que Emily Newman devrait avoir beaucoup plus d'expérience. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'un jour, elle va prendre la direction, ça, on le sait pas. Emily! Ma fille! C'est beau, hein? Magnifique! N'est-ce pas? Magnifique! Je m'attendais à te voir ici. Ah bah hein, quoi? Comme tu c'est quand te même un bel endroit. Mm-hmm. Pour admirer ton œuvre. C'est quand même la plus belle. Une des plus belles. Celle-ci est réussie. Parlons un peu de ton œuvre, justement. Oui. Oui. Je voulais te toucher un ou deux mots par rapport à la directrice de l'antenne. Quel est ton problème? Bah, pourquoi elle? Simplement. Tout simplement. Qui voudrait te faire sa place? Toi, peut-être? Éventuellement, oui. Eh ouais. Ma fille. Ça te fait rire? Je crois bien. Ah bon? Que veux-tu que je te rajoute de plus? Tu as vu ce que tu nous as fait? Tu viens, tu te mets comme ça, en place, quoi. C'est déjà couvert. Et tu arrives comme ça, avec tes gros sabots, tu arrives au duo, tu arrives aux arêtes. Voilà, tu te mets à dos les forces de police. Que veux-tu que je te dise de plus? Alors moi, je veux bien faire le travail dans les règles de l'ordre, mais il faudrait déjà que ma chère directrice, Lisa Dumont, me laisse faire mon travail. C'est hein? Elsa, on lui est place, comment dire, bah déjà la couverture, écoute, tu es toujours là et tu viens après. Je veux bien que tu prennes les devants, mais fais les choses dans les normes et dans les règles de l'art.
Et tu fumes encore? Ah ben tiens, donne-moi une, j'ai goûté tes produits là. Je sais, oui, d'accord. Très bien, voilà. Je sais que tu n'apprécies pas ma décision. Tu aurais bien non, voulu non, être à sa place. Monde, ah voilà, pas le moins du monde. Mais le monde, c'est pas toi qui le décide. Ne va pas à l'encontre de ma décision, elle est telle qu'elle, dans le sens où tu veux passer. Tu mets la charrue avant les bœufs, ma fille. Émilie, je t'aime comme un père. Mais ma décision est prise. Alors je veux bien respecter tes ordres, je veux bien respecter tes demandes, mais est-ce que je pourrais au moins avoir l'assurance qu'un jour cette place de directrice puisse être à moi? Parce que qu'on s'entende bien, tu as choisi Lisa Dumont, mais moi je trouve que c'est Tara Gibbons qui aurait dû être à la place de cette personne. Tant qu'à faire, je veux bien accepter que tu ne m'aies pas choisi, mais choisis au moins quelqu'un de compétent. Alors, que ce soit ton idole, qu'elle soit belle, que machin, que si, que mi. Mais c'est pas que ça, elle fait bien son travail, elle sait ce qu'elle fait, elle sait diriger les personnes, elle sait. Eh bien, dans sa vie, elle a choisi autrement. Et en ayant choisi autrement, je n'ai pas pu la prendre puisque c'est elle qui a dit non. Il m'a fallu faire un choix et excuse-moi, tu n'étais pas prête pour me remplacer. Non. Et le jour où je serai prête, est-ce que tu seras d'accord de me laisser ma place? Oh ben d'ici là, peut-être que je serai mort. Je te trouve bien pessimiste. Je pense quand même que j'ai quelques compétences, je pense quand même que je sais ce que je fais. Hein, c'est... Voilà. Parfois, je ne respecte pas les règles. Parfois j'y vais un peu fort, on est d'accord. Ah, c'est déjà bien que tu le reconnaisses. Mais oui, tout à fait. Je suis consciente du caractère que j'ai, on est d'accord. Mais je pense quand même que j'ai des compétences. C'est déjà un bon point, tu commences à t'analyser. Alors ma fille, là tu commences à m'intéresser. Pose-toi, calme-toi, présente-toi. Trouve-nous un homme, qui soit là. Écoute, tu n'es pas encore tout à fait mûr pour ce travail. Laisse-toi le temps, pose-toi. Tout ira bien, tu verras, la vie est un long fleuve tranquille. Il n'y a pas le feu au lac. J'ai 30 ans, hein. Et j'en ai combien? J'aimerais que ça avance un petit peu. Eh bien, justement, fais que les choses aillent dans le bon sens. Et tu seras un jour à ta place. Le prochain au comité, hein? Ok? C'est beau. Pourquoi tu nous as trahis? Dans notre monde, t'étais un roi. Et un roi, c'est fait pour être renversé. Donc toi, ici, tu me fais pas peur. Étouffe-toi. Respire.